Bonjour j'ai bien dit cette vidéo aujourd'hui dans l'apprentissage du HTML5. Nous allons faire ce numéro 28 qui portera sur les formulaires. Ce sera donc la partie 2. On fera en sorte de voir par exemple la balise input avec les différents types. On aura le type texte, password, tel, URL, email, search, image, file, date, et ainsi de suite. Donc vous verrez qu'on verra pas mal de choses intéressantes en l'occurrence les nouveautés par rapport au HTML5. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Donc, si on regarde au niveau du formulaire, rappelez-vous, ça commence par la balise Form. Ensuite, ici, ça finissait bien évidemment par la balise Form. On avait vu ensemble le, la balise Label, Input. On avait vu ce que c'était aussi que l'Input avec le type. Alors, c'était Text. Et on a vu aussi AREA. Quelque chose d'intéressant, c'est par exemple ici, vous avez, on a marqué Fieldset. Donc, on a deux balises, hein, entrante et sortantes, Et dedans, j'ai marqué Légende Info Perso. Vous voyez, vous le retrouvez ici. En fin de compte, ça va permettre de faire ce petit cadre bleu que vous voyez ici. C'est tout simplement une espèce de, de contour que vous pouvez après euh, personnaliser en CSS, mais ça vous permet déjà de contourner vos éléments. Et en gros, j'ai fait nom, prénom, je l'ai encadré, et la nouveauté HTML, je l'ai encadré aussi. Regardons un peu les nouveautés, justement. Alors, si on regarde ici, vous voyez, on a à chaque fois un petit logo qui va apparaître, vous voyez avec la petite croix. Alors là, je vous montrerai ce que j'ai fait en CSS, rien d'extraordinaire, tout ça, vous connaissez maintenant. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Alors ici j'ai fait label, tout ça vous connaissez. Regardons au niveau de la balise input, surtout le type que l'on peut avoir. Nous on a type téléphone. Alors ici, vous voyez, il suffira de rentrer un numéro de téléphone. Alors là, ça ne vous voit pas grande différence. Il faudrait voir ça sur un... Enfin compte, il faudrait prendre mon site internet que je vous ai mis, que je vous glisse comme d'habitude sur Langue pour tous afin que vous puissiez récupérer le code de source. Et regarder sur un téléphone afin de voir que vous auriez comme un petit clavier qui s'affiche. Ça dépend des browsers. Là actuellement je suis sur Opera, Il faudrait voir sur Safari. Faites des tests, essayez sur Firefox, Safari et ainsi de suite. Moi je vous explique simplement les différents types qu'il existe au niveau de la balise input. Donc ici on a un téléphone, on vient de le voir, nous avons date qui est ici. Alors, vous voyez par contre date c'est intéressant, vous allez voir on a un... Alors si je clique ici, vous voyez on a carrément un petit calendrier qui nous permet de sélectionner la date. Mettons je mets le 18, automatiquement ma date s'affiche ici. Donc c'est vraiment assez intéressant. Là aussi, vous risquez d'avoir des différences selon le, selon le browser utilisé. Comme je vous dis, là, actuellement j'utilise Opera, mais si vous utilisez Firefox ou Google Chrome, vous risquez d'avoir des différences. Continuons. Donc quand je clique ici sur Choisir un fichier, vous allez pouvoir choisir un fichier comme un fichier texte, un fichier image et ainsi de suite. Bien évidemment, pour l'instant le traitement ne se fait pas. Il faudrait faire cela soit en PHP, soit en JavaScript, en Ruby. N'importe quel autre langage, mais serveur qui nous permettrait de traiter les informations en amont ou alors dans une base de données. Donc si on regarde ici au niveau du file type file, vous voyez, on a marqué type file, name file, bon, rien d'extraordinaire. De Là où ça devient intéressant, c'est number, vous voyez, c'est celui-ci. J'ai marqué quelle est votre pointure. Ici en fin fait, de compte, j'ai défini au niveau de type number, on peut définir un min, en l'occurrence, je ne peux pas aller en deçà de 32, regardez, vous voyez, je ne peux pas aller en dessous de 32. Et le max, je ne peux pas aller au-dessus de 54. Donc j'ai estimé qu'une personne faisait soit 32 minimum, soit 54 maximum. Bon, c'est pas très grave. Hein le step 1, ça veut tout simplement dire que à chaque fois que je vais cliquer sur la petite flèche, je vais aller de 1 en 1. Mais par exemple, vous pouvez modifier. Ici, si ici je mets step 5, donc là je vais enregistrer. Hop, je rafraîchis ma page. Vous allez voir que automatiquement, voilà, je passe de 5 en 5, tout simplement. Autre chose aussi intéressante, si je rafraîchis ma page, là c'est marqué 38. Ça sous-entend que ici, si vous mettez value 38, par défaut, celui-ci se positionnera à 38. Regardons maintenant l'autre type. On appelle ça le type range. Alors range c'est pareil, ici vous avez un min 0 et un max 100. Ça sous-entend que vous pouvez pouvoir avec votre curseur, vous voyez, tout simplement passer de 0 à 100. Là aussi, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt de bouger le curseur car celui-ci n'est pas traité. Il faudrait le traiter par du JavaScript ou un autre langage qui nous permettrait par exemple de modifier le volume du son. Si on continue ici, on a Label for Color. Alors le Color très intéressant aussi. Quand vous cliquez ici, vous voyez, on va voir un, voyez, on a une espèce de petit logo qui apparaît comme ça, une petite fenêtre, et on va pouvoir choisir nos couleurs. Alors là, j'ai remarqué aussi que ça dépend du type de browser utilisé. Là, je suis sur Opera, comme je vous disais, pas de problème. Sur Safari, vous risquerez d'avoir ou Firefox ou autre browser. Ce que j'appelle un browser, c'est un navigateur. Hein. Vous risquez d'avoir tout simplement un code hexadécimal qui va apparaître. Ça dépendra de, encore une fois, de ce que vous allez utiliser. Quoi qu'il en soit, ça vous permet de choisir une couleur et de pouvoir après modifier. Alors là aussi, si je prends le cas du JavaScript, ben, ici, si vous voulez on ne fait rien, on n'a pas fait de JavaScript, on ne l'a pas vu encore, on le verra, mais bien plus tard. Mais essayons de regarder un exemple. Alors on va aller sur mon site Savoir pour tous on va aller dans le module informatique et on va aller au niveau du JavaScript. C'est-à-dire simplement que je propose quelques exemples en JavaScript. Là où je veux en venir, c'est ici. Vous voyez, on a marqué bleu ou rouge. Imaginons, je choisis rouge. Et je clique sur mon petit bus et automatiquement, ma couleur rouge est associée. Bah, c'est exactement le même phénomène si je rentre ici au niveau de mon formulaire. cest vous pourrez cliquer ici et modifier la couleur. Voilà à quoi ça va servir. Mais après, après, bien évidemment, il faudra que celui-ci soit traité en JavaScript. Et le dernier, c'est progress. Alors, progress, vous allez tout simplement pouvoir définir une valeur. Vous voyez, ici, on a value 20. Donc, on a ici un petit curseur qui met 20. Et on peut aller jusqu'à 100. Voilà ce qu'on peut faire ensemble au niveau du, du formulaire. Donc c'était donc la partie 2. Donc là ce que je vous ai montré, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on passe le petit curseur, vous voyez, on a HTML5 qui apparaît. Ça s'entend se que c'est une nouveauté au niveau du HTML5. Regardons un petit peu le CSS. Alors aussi chose importante que j'ai oublié de vous signaler. Si évidemment ici vous cliquez sur envoyer, bah, il ne se passe rien. Sauf vous voyez, c'est marqué veuillez renseigner ce champ. Alors ça, je ne vous l'avais pas expliqué, on va le faire ensemble. C'est tout simplement, alors au niveau du nom, voilà. Effectivement, je ne vous l'avais pas expliqué, si vous mettez require, require pardon, égal require, ça sous-entend que si vous rentrez pas votre champ et que je fais envoyer, automatiquement vous avez un petit champ qui vous dit veuillez renseigner ce champ. Là aussi, vous rencontrez souvent ce genre de, de choses lorsque vous êtes sur Internet et que la personne vous dit désolé, euh, vous ne pouvez pas envoyer ce formulaire car vous n'avez pas rempli tous les champs. Regardons maintenant le CSS. Donc il y a des choses qu'on a vues ensemble. Je ne vais pas vous le réexpliquer comme ça. On l'a vu ensemble, pas de problème. Ce qui va vous intéresser, ça va être par exemple... Alors où est-ce que j'ai mis ça On va partir là-dessus. C'était dans new. Donc on va chercher new. Voilà. Donc j'ai tout simplement fait quoi ben, J'ai dit U. Donc là, j'ai dit pour les... ma... ma classe UL niveau de la li, ma classe new 2 .2. after donc après c'est pour ça qu'ici quand je place mon curseur hop pardon vous voyez on a automatiquement une petite image qui apparaît et qui fait en sorte de me le centrer c'est le vertical align middle et display none bon, bah, tout simplement ça le fait désactiver tant que là vous voyez je ne suis pas en over, si je fais en over automatiquement je l'ai mis en inline block donc il apparaît et en plus j'ai une petite croix qui apparaît c'est à dire qu'au début vous voyez on a une espèce de flèche apparaît et là j'ai fait en sorte de modifier ma flèche avec un curseur cross air tout simplement voilà donc je n'en dirai pas plus cette vidéo comme d'habitude si vous allez sur le site languepourtous.free.fr et vous cliquez ici sur html5 au niveau du, du petit bouton la cour vous avez la leçon numéro 28 que vous pourrez récupérer petite nouveauté au niveau de mon site savoir pour tous alors si je reviens ici au niveau de l'accueil dans le module informatique, j'ai fait en sorte de vous créer le dernier module HTML5 CSS3. C'est-à-dire que là, maintenant, vous pouvez accéder directement à mes vidéos. Et au lieu de récupérer sur le site Langue pour tous, ce n'est pas encore d'actualité, mais ça ne serait tardé, vous aurez ici un petit fichier ZIP que vous pourrez tout simplement récupérer le code source comme vous faites sur Langue pour tous. Mais j'ai trouvé plus intéressant de re remettre tout ça en évidence. Vous voyez, on a carrément maintenant euh, la globalité de mes vidéos que j'ai pu faire sur YouTube. Et vous les retrouvez sur mon site tout simplement. Vous avez aussi, si je regarde au niveau informatique, vous avez quelques modules au niveau CSS, mais celui-ci n'est pas terminé, mais vous pouvez regarder au cas où. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, comme je vous disais. Donc pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte comment intégrer. Donc si je vous montre ici, voilà, comment j'ai fait pour intégrer une carte Google Maps. Ça peut être très intéressant quand vous créez un site internet et que vous voulez par exemple vos clients ou tout simplement pour vous vous puissiez savoir euh, qu'on puisse vous localiser. Imaginons que vous êtes une entreprise, je ne sais pas, vous vendez par exemple des bols, euh, cette personne veut vous contacter, vous voulez juste mettre nom-prénom et puis vous voulez savoir à quel endroit se trouve votre entreprise, ben, il vous suffira de mettre l'adresse précise de là où vous êtes. Et Google Maps, on pourra récupérer une balise par le biais de Ifram, vous verrez c'est très simple, et on intégrera ça dedans. Et automatiquement, votre client pourra voir précisément où vous habitez. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.